Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette 9e session des petits déjeuners de l'intelligence artificielle de Syntec Numérique. Sachant qu'aujourd'hui, nous allons parler du pack IA. Donc, on a le plaisir et l'honneur d'accueillir trois intervenantes et intervenants. On va vous présenter tout de suite. Deux mots, je m'appelle Valentin Hubert, je suis délégué innovation et technologie de Syntec Numérique, instance où on traite essentiellement d'IA, mais pas que. On regarde aussi ce qui se fait au niveau des autres techniques, des autres briques technologiques, et on étudie quels sont les impacts sur les sociétés du numérique et plus largement sur la société et puis le reste de l'économie. Petit mot d'intro concernant le déroulé donc de ce petit déjeuner. Je vous propose pour le confort de tous que chacun coupe son micro et puis ensuite lorsqu'on passera au temps de session à la session pardon des questions et des réponses, l'idée c'est d'être le plus interactif possible et donc du coup n'hésitez pas surtout à poser vos questions. Vous avez trois intervenants qui sont là pour vous répondre. L'idée vraiment c'est d'échanger pour éviter que tout le monde parle en même temps. Je vous propose donc d'utiliser la petite main. Alors maintenant c'est plus tout à fait cette icône là, mais vous avez un petit smiley avec une main levée tout en haut de votre barre d'outils. Je pense que maintenant tout le monde connaît Teams, hein, mais je préfère rappeler le fonctionnement. Donc n'hésitez pas à lever la main et puis on vous donnera la parole pour que vous puissiez interviewer nos intervenants. Donc aujourd'hui, le thème, c'est le pack IA. C'est une initiative donc francilienne, mais qui peut intéresser également d'autres régions, soit pour leur donner des idées, soit parce qu'il existe la même chose chez eux. On y reviendra en fin de séance. Mais voilà, je vais tout de suite laisser la parole à François Soulier, donc qui est conseiller scientifique au Hub France IA, pour qu'elle nous propose sa présentation et qu'elle nous explique un petit peu de quoi il s'agit. Merci beaucoup Valentin. Donc merci de cette invitation. Donc je vais passer assez rapidement en fait sur la présentation du pack IA. Donc vous pouvez trouver en fait ces informations-là beaucoup sur notre site pour laisser autant que possible la part belle à nos invités qui sont des réalisateurs et sociétés accompagnées. Donc pack IA, c'est un consortium. Donc je vais vous parler tout à l'heure. C'est la première mesure du plan IA 2021 de la région Île-de-France, qui avait été publié en fait en octobre 2018. Donc l'idée, c'est bien de renforcer l'IA en Île-de-France. Sur le slide suivant, le constat en fait a été de se rendre compte que, si je peux avoir la slide suivante, voilà. Le constat a été de dire, eh bien, en fait, les PME ETI sont des entreprises dont beaucoup ont commencé leur évolution numérique et elles peuvent profiter de façon très importante de l'IA pour booster leur croissance. Donc, le but, c'est ça. Les problèmes que rencontrent les PME, c'est qu'elles sont extrêmement compétentes et très efficaces dans leur domaine propre. On va le voir tout à l'heure avec l'exemple de Jackie, mais qu'elles ne sont pas expertes en IA. Elles ne savent pas comment choisir le bon cas d'usage, c'est-à-dire leur première application IA, celle qui va leur rapporter le meilleur ROI le plus rapidement possible. Elles ne savent pas comment le mettre en œuvre parce qu'elles n'ont pas l'expertise, elles n'ont pas les talents et elles ne savent pas trop en fait quels sont les coûts d'un projet IA. Donc voilà les problèmes qu'on va essayer d'adresser avec le pack IA. Sur le slide suivant, sur le slide suivant que je ne vois pas du tout. Voilà. Donc les objectifs, c'est d'accompagner en fait les PME ETI dans leur premier projet IA en mettant un parcours complet qui leur permet d'aller depuis le démarrage, c'est-à-dire la phase d'idéation, on va essayer de définir des cas d'usage avec du conseil. Ensuite, on réalise le projet et ensuite, on évalue les performances. On peut aussi fournir une plateforme technique avec tous les outils qui vont bien. Donc, cette succession de phases, elles sont dans les mains d'un réalisateur. Donc, nous, ce que nous faisons, c'est que nous validons l'éligibilité. Le pack IA, c'est un financement de la région Île-de-France. Donc, il y a des conditions d'éligibilité qui sont assez simples. Une PME ETI, Île-de-France, c'est sans doute la chose la plus complexe, en bonne santé financière, qui a commencé à recueillir ces données, bien sûr, et puis qui, dans son contexte, se rend compte qu'en fait, son intérêt, c'est de passer à cette étape-là. Donc, comment ça va se passer sur le slide suivant?
C'est un projet très concret, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire des slides, hein. Le but, ce n'est pas de produire des slides, le but, c'est de produire une première application qui sera remise à la société à la fin du projet, et la société pourra à ce moment-là la mettre en production. Le projet va durer 3 mois, il va correspondre à en gros 37 jours de prestation du réalisateur. Le coût pour l'entreprise va être de 18 500 euros, qui correspond à la moitié du prix du projet, le reste étant subventionné par la région. Donc, il y a un accompagnement personnalisé, il y a une équipe d'experts, il y a un coût fixe et une durée fixe, ce qui élimine toutes les discussions, on va dire, commerciales sur le coût, la durée, etc. C'est 3 mois pour ce prix-là. Donc, on a voulu que ce soit très simple à mettre en place, avec des étapes qui sont toutes... standardisé de façon à ce que tout puisse aller vite. Alors, certains projets, par exemple, ont réussi à tout faire, le démarrage, en un mois. Alors, ça veut dire quoi tout faire? Ça veut dire discuter avec nous. Nous mettons en relation une PME avec un réalisateur. Il y a ensuite un entretien entre le réalisateur et l'entreprise pour remplir un dossier de préqualification. Ce dossier de préqualification ensuite passe devant un comité. Aujourd'hui, ce comité est complètement dématérialisé, bien sûr, et le projet démarre. Ensuite, un approfondissement du projet pour vérifier que les données sont bien là. 3 mois pour fabriquer la chose, on évalue et c'est fini. Donc, en gros, au mieux, le champion, celui qui a été le plus vite jusqu'ici, ce sera 3 mois plus 1 mois pour tout mettre en place. Donc, très peu de paperasse, pas de gros dossiers, pas de temps très long pour décider. Un projet Paquilla, ça doit aller vite parce que nous pensons qu'en fait, beaucoup de PME peuvent bénéficier très simplement de projets de ce genre-là. Et c'est notre but. Donc, que ce soit efficace, que ça rapporte rapidement. Alors, le montage du Paquilla, en fait, la région avait lancé un appel à projet auquel nous avons répondu avec un consortium. Donc, il y a 2 pilotes, le Hub Francilla que je représente, et l'Institut Militélécom Terra Lab, qui est en fait un organisme public qui gère les fonds publics, puisqu'il faut, cette clause-là. Ensuite, comme réalisateur, on en a de deux sortes. On a soit des cabinets spécialisés, vous voyez leur nom ici, Bearing Point, Business et Décision, Capgemini, Cantmetry, ou bien l'IRT Systemix, ou bien des start-up qui sont des membres des réseaux du Hub Francilla et de l'IMT Terra Lab. Et vous allez voir dans le cas présent tout à l'heure, Fabrice Métayer qui fait partie du réseau de l'IMT Terra Lab. Donc, le pilote, donc Hub Francilla en l'occurrence, met en relation la PME avec un réalisateur. Et ensuite, le réalisateur est aux manettes. Il va accompagner complètement sur le projet en maîtrisant les risques et les coûts. Il va aider, c'est sa mission aussi, d'aider à la PME ETI à comprendre comment ça se passe, à comprendre où sont les risques, pour que, idéalement, derrière ce premier projet, et c'est notre souhait, la PME mette en production le projet Paquilla et ensuite puisse en lancer beaucoup d'autres. Donc, une mécanique très simple, très légère, avec un financement à 50% pour une durée de 3 mois. Voilà, c'était très simple, mais ça peut rapporter gros. Donc voilà les adresses des sites que vous pourrez, sur lesquels vous pourrez avoir plus d'informations. Je pense, Valentin, que moi j'ai à peu près dit l'essentiel, ça doit suffire, et que maintenant nos amis vont pouvoir nous expliquer comment ça s'est passé en vrai. Jackie, ça c'est la théorie, maintenant nous voyons la pratique. Merci beaucoup Françoise pour cette explication très claire. On peut déjà peut-être faire un petit tour de table si des participants avaient d'ores et déjà quelques questions avant de rentrer dans les illustrations donc, portées par Jackie et Fabrice. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions, mais ça semble effectivement particulièrement simple et efficace. Donc bravo pour cette belle initiative. Je ne vois personne qui pour l'instant lève la main. Ils ont raison, il faut attendre les présentations ensuite. Si, on a Cédric. Cédric, je vous en prie. Activez votre micro. Oui, bonjour tout le monde. Déjà, Cédric Defaux, la société HD Technologies. Justement, j'ai vu sur la présentation PAC-AI qu'il fallait que les PME soient en déjà un certain niveau d'application de la transformation numérique. On peut essayer d'évaluer ça ou pas? Bah, en fait, ce qu'on est. Alors, il y a différents niveaux toujours. La chose sur laquelle on va porter toute l'attention, c'est comme toujours en IA, on va regarder s'il y a des données. C'est-à-dire si la société a commencé à récupérer des données,
On peut y aller, même si la transformation numérique n'est pas complètement terminée. Bien entendu, elle ne l'est jamais. C'est un voyage sans fin, comme nous le savons tous. Donc, on va regarder ça, en fait. C'est ça, la question. D'accord. Ok, merci. Je vous en prie. Je ne vois pas d'autres mains qui se lèvent, donc je vous propose d'enchaîner et puis de donner la parole à Jackie Chang, qui est donc le président fondateur de Paris Fashion Shop et qui a suivi le process et qui va nous faire son retour d'expérience. Jackie, je vous laisse la main. Bonjour à tous. Merci à Françoise pour cette belle présentation. Et j'ai l'impression de t'entendre depuis hier, parce que j'ai l'impression que l'échange qu'on a eu date typiquement de juillet dernier, avant de prendre la décision d'aller sur Pakia. Avant toute chose, je vais présenter d'abord la startup Paris Fashion Shops, qui est une startup en hyper-croissance. Nous sommes une plateforme marketplace dédiée aux professionnels de la mode. Et la mission de Paris Fashion Shops, c'est de redonner de la compétitivité aux commerçants indépendants, qui sont les boutiques de mode installées en France et dans le monde. Nous avons aujourd'hui connecté, en 4 ans et demi, un peu plus de 850 fournisseurs qui sont des vendeurs sur la plateforme Marketplace, qui sont des marques et des grossistes parisiens. Et les acheteurs, ce sont des boutiques indépendantes. On est sur la sphère B2B, typiquement professionnel, entre professionnels et professionnels. Et en 4 ans et demi, en gros, l'idée de Pakia nous a beaucoup séduit sur le fait que, en 4 ans et demi d'activité, nous avons collecté énormément de data et la plateforme, pour vous donner en termes de visibilité, nous avons à peu près 200 000 utilisateurs par mois, un peu plus de 11 millions de pages vues au mois et la durée moyenne d'une visite, c'est 9 minutes et 24 secondes, avec un taux de rebond extrêmement positif pour nous qui avoisine à peine les 11%. Donc, quelque part, on s'était posé la question, comment améliorer notre outil à travers l'intelligence artificielle? Et le Pakia est tombé au bon moment, je dirais. Et on a été séduit très rapidement par la présentation de Françoise qui a été faite lors d'un webinar dans notre réseau Croissance Plus. Et on a signé fin d'année et l'opération Pakia a commencé avec le réalisateur, qui est la société Kernix, dont Fabrice fait partie également de notre réseau Croissance Plus. Et donc, du coup, on a rassemblé des personnes compétentes, des personnes de confiance autour de ce projet pour aller plus loin dans cette démarche de Pakia. Si vous voulez bien passer sur le slide suivant. Voilà. L'objectif qu'on avait mis en place pour ce Pakia, c'était d'augmenter notre taux de conversion, créer un algorithme qui puisse faire de la recommandation sur deux items bien identifiés, le produit similaire et le produit complémentaire dans les paniers. Donc, pour permettre à nos clients, qui sont les boutiques indépendantes, de pouvoir aller trouver des produits qui correspondent à ce qu'ils recherchent beaucoup plus rapidement. Et la feuille de route que nous avons déroulée justement sur les 3 mois et 37 jours hommes s'est établie et commencé avec une organisation assez militaire, je dirais, avec des checkpoints chaque semaine, chaque vendredi, entre nos équipes et les équipes de chez Kernix. Et j'ai envie de dire que ça se passe bien, une belle expérience, et on va certainement être aussi dans les clous, dans la durée répartie pour pouvoir réaliser et finaliser ce projet. Françoise parlait tout à l'heure de la boîte la plus performante qui a pu concrétiser le projet en 3 mois et plus un mois. Bah, écoutez, on va essayer avec l'équipe de Fabrice de concrétiser tout ça dans un temps record un peu plus rapide que 3 mois plus un mois. Il nous reste à peu près 2-3 semaines pour finaliser ce projet. Et je dirais que Fabrice, sur la présentation, peut-être intervenir sur la présentation, sur qu'on puisse avoir une interactivité, comment on va pouvoir finaliser à bien ce projet. Mais si vous voulez dérouler le slide suivant, que je puisse terminer ma présentation et sur le fonctionnement de Paris Fashion Shops. Paris Fashion Shops est une plateforme, comme je disais tout à l'heure, marketplace dédiée exclusivement aux professionnels de la mode.
Pour pouvoir y accéder, les professionnels doivent d'abord, dans un premier temps, s'inscrire avec leur numéro d'identification professionnelle, CABIS ou numéro de TVA. Et le but de ce pack IA était justement d'aller faciliter leur quotidien. Nous avons plus de 100 000 produits disponibles sur la plateforme. Certains nous qualifient de l'Amazon du B2B ou d'autres du VP du B2B. Mais quelque part, on se doit aussi améliorer notre expérience utilisateur au profit de nos clients. Et là, là-dessus, l'IA vient apporter cette première brique où on a décidé ces deux items sur la partie produits similaires et dans le panier avec les produits de même famille. Donc, toute la partie recommandation, c'était le grand sujet. Je vais vous donner un exemple très précis de comment on a fonctionné et comment on a mis en place ces briques. Vous avez par exemple, là, vous rentrez dans une rubrique de vêtements femmes et le client, admettons, va cliquer sur une des robes ou un des vêtements choisis. Slide suivant, s'il vous plaît. Là, en gros, le slide choisi, c'est le produit choisi, une robe fleurie, et l'IA va intervenir sur de la recommandation de tout ce qui est dans un premier temps des produits similaires. Donc, le slide suivant, s'il vous plaît. Et dans tout ce qui est produits similaires, de pages qui vont en dérouler en fonction de la robe qui a été choisie auparavant, l'IA va aller donc proposer à la cliente dans le choix de cette robe fleurie tout ce qui va être similaire et qui va lui faciliter ses recherches et ses commandes. Donc, on a un objectif bien précis d'améliorer le taux de conversion et également des produits complémentaires, des accessoires de mode qui vont aller avec ces robes. Donc, quelque part, le client va avoir du personnel shopper en ligne, dont les process de commande pour alimenter son magasin. Vous imaginez Robert de Valenciennes dans son magasin, au lieu de faire page par page où il y a 100 000 produits, bah, avec cette solution aujourd'hui que nous mettons en place, bah, il passera, au lieu d'une journée pour faire ses achats sur le site, bah, il passera en gros une heure pour faire ses achats et ses commandes. Voilà en gros, concrètement, comment nous avons travaillé ensemble avec les équipes de chez Françoise et de chez Fabrice pour pouvoir cibler l'enjeu de la première brique IA. Et comme disait tout à l'heure Françoise, il y aura certainement des briques ultérieures à venir. L'enjeu aujourd'hui et la feuille de route qui va suivre, c'est comment maintenant déployer ce que nous avons développé à bien sur nos serveurs et comment nous allons pouvoir déjà analyser le retour sur l'investissement. Et si d'ici un mois ou deux, le retour investissement est positif, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas positif de toute façon. On va aller enclencher toute la suite IA, je dirais. Voilà pour ma part et je crois que j'ai un dernier slide pour voilà, les next steps. Donc, mise en place des KPI suite PAC IA, recrutement en interne d'un data scientist ou d'une data scientist, analyse du ROI et de ce premier POC qu'on a déployé et les briques à venir. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je passe la main à Fabrice. Merci beaucoup, Jackie. Peut-être pareil, si quelqu'un a des questions, peut-être sur le cas présenté par Jackie, qui était extrêmement clair, hein, mais je ne sais pas si vous avez peut-être des interrogations peut-être un peu plus techniques ou sur la manière dont les briques d'IA ont été sélectionnées ou des choses comme ça. N'hésitez pas, je ne vois pas de main qui se lève dans l'immédiat, donc n'hésitez pas à préparer vos questions. De toute façon, Jackie, bien sûr, reste avec nous. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Fabrice, peut-être pour que il continue cette présentation et puis qu'il nous explique un petit peu comment est-ce que Kernix est intervenu dans le processus. Fabrice, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Nous, Kernix, je vais vous faire une toute petite présentation de Kernix à proprement parler. Et ensuite, après, je vais commenter ou partager un retour d'expérience sur notre collaboration
avec Jackie, avec Paris Fashion Shop, et essayer de vous alimenter sur comment ça se met en œuvre, concrètement comment ça se fait et pourquoi il faut y aller, de manière assez simple. Donc d'abord Kernix, très rapidement, nous on est une agence digitale data, ça fait 20 ans cette année que l'on existe. On est à peu près 45 collaborateurs avec différents pôles et dont un pôle data avec une équipe de data scientists. Et en fait, on fait depuis on va dire un certain nombre d'années des volets R&D et avec des projets Eurostar, appel à projets, des consortiums dans lesquels on participe sur de la recherche un peu plus fondamentale et des projets ponctuels de réalisation auprès de clients qui nous expriment un besoin et sur lesquels on va apporter une réponse data IA. Voilà. À date, en fait, nous, effectivement, on faisait partie plutôt du réseau de connaissances IMT Terra Lab. Et donc, on fait, comme l'a indiqué Françoise, on fait partie de cet écosystème de réalisateurs. Et on a trois accompagnements PAKIA, je dirais, en cours ou à notre actif. Celui sur lequel nous sommes très focalisés là, qui est Paris Fashion Show. On en a eu un peu en amont qui concerne en fait une start-up plutôt dans le domaine financier et donc pour laquelle on a travaillé sur une amélioration d'un algorithme d'allocation action cash. Donc c'était une société qui était déjà on va dire très numérique. Mais pour laquelle en fait on est venu avec de l'intelligence artificielle améliorer de l'algorithme en place, des protocoles de test et ainsi de suite. Et on en a un autre qui n'a pas encore commencé, enfin qui est sur le point de commencer, qui est sur une société, on va dire, plus industrielle, hein, puisqu'elle produit des supports de décoration pour des bureaux, des hôtels et ainsi de suite. Et là, on va avoir tout un travail sur l'image. Donc, si je vulgarise un petit peu, c'est un moteur de recherche plus, dans lequel, effectivement, on va d'un côté gérer des similarités par rapport à des images entre elles et par rapport à un inventaire de données. Et on va également aussi être capable d'aller faire des recherches en mettant en point d'entrée une image. Donc, le PAKIA, c'est quelque chose dont on a été, on va dire, sensible et sensibilisé un petit peu après sa création et qui nous a semblé vraiment très, très intéressant par son dispositif. En fait, Françoise l'a expliqué et elle l'a expliqué en 5 minutes, même si elle a pris 10 minutes pour qu'on ait bien le temps de le comprendre. Elle l'a expliqué en 5 minutes. C'est très simple et c'est très clair. Et c'est vrai que c'est important, c'est que ce dispositif a été élaboré de manière en fait à ce que ça avance. On regarde les choses avant, au départ, est-ce que les choses sont faisables ? On se donne des vrais points d'étape, c'est ce que disait Jackie un petit peu sur le côté militaire, c'est-à-dire que y a une vraie organisation. Nous, on avait choisi de faire des points hebdo de manière à avoir un vrai suivi, mais après, on a une sorte de comité de pilotage qui est tous les mois. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ça en fait le lancement plus 3, mais ça permet d'être sûr, de valider qu'on passe à l'étape suivante, qu'on a bien des données, qu'on s'est bien compris, qu'on a bien avancé sur la modélisation et puis qu'on est bien en train d'avancer sur le résultat. Et c'est vraiment très bien parce que, pour le coup, nous, on a une expérience, des expériences variées sur la réalisation de projets data. Et effectivement, on a rencontré toutes les situations que décrivait Françoise, que ce soit sur des problématiques de « mais alors, en fait, combien ça va nous coûter ? Où est-ce qu'on va ?» « si, je vous assure qu'on a toutes ces données. » Et puis, on travaille, on va dire, dans un groupe on finit par s'intéresser réellement aux données. Et en fait, il n'y a pas du tout ce qui était prévu. C'est souvent le cas. L'intérêt est que toutes les choses sont transparentes, sont posées à plat et on avance étape après étape. Donc c'est vraiment un dispositif que l'on trouve vertueux et en plus c'est vrai qu'il est plutôt en mode sprint. C'est-à-dire on a 3 mois mais on n'a que 3 mois. Alors pour Jackie c'est trop long 3 mois, c'est-à-dire que les choses soient bien claires, c'est beaucoup trop long. Mais
dans la vraie vie, des gens qui vont, qui font pas tous de l'hypercroissance et des projets data, 3 mois, c'est vraiment plutôt intense et bien. Parce que quand même, faut bien voir qu'il y a des phases. On a quand même une première phase dans un projet comme celui-là, de découverte, d'exploration sur la partie donnée. C'est quand même un élément important. C'est-à-dire, même si on valide en amont, donc c'est pour ça qu'on fait de la préqualification, on valide en amont qu'il y a des données, on n'a pas encore réellement travaillé et joué avec. Là, il y a toute cette partie, permet effectivement de prendre connaissance des choses et d'avoir une approche, de combiner quelque part une approche top-down et bottom-up. Elle est top-down dans le sens où pendant la préqualification, on avait des intuitions et peut-être même des convictions sur vers où on va. Et puis après, le bottom-up, à partir des données et de ce que l'on a réellement, il se passe des choses. Donc on a cette partie-là, puis après on élabore, on fait des modèles, on convient de comment tout ça va pouvoir être exploité, on teste, on convient de protocoles de test, on avance, et puis à partir d'un certain seuil, on va dire, de maturité, dès qu'on commence à avoir des résultats, et bien évidemment on se projette sur la fin, parce que c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que comme on est contraint, on est timeboxé quelque part, on est contraint en termes de temps, la deadline, elle arrive et on s'est fait une promesse, tous, quelque part, pour la deadline, c'est d'avoir quelque chose qui allait être exploitable. Alors après, ça peut prendre plein de formes différentes en fonction des sociétés. Ça peut être quelque chose qui se met en prod, ça peut être un package de code pour faire tourner des algorithmes. Bon bref, il y a plein de manières de faire, mais peu importe, en soi, on sait qu'on doit arriver à une potentielle situation d'indépendance au bout de 3 mois. Et ça, c'est vraiment bien. C'est un peu une déclinaison de l'approche MVP, qui est que, de toute manière, à cette date-là, je dois sortir. Derrière, ça va être un début de nouvelle histoire. Même si elle est peut-être complémentaire, c'est une autre histoire. Et ça, c'est vraiment très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Par rapport, de manière très... on va dire très, peut-être un peu plus précise par rapport au déroulement avec les équipes de Jackie. Alors déjà, la première chose, retour d'expérience, c'est qu'effectivement, on a une très bonne collaboration avec Paris Fashion Shop. Alors, j'arrive pas là ce matin, évidemment, en disant c'est une catastrophique et on s'est fâché. vous en doutez bien, mais dans la réalité, c'est surtout que moi, ce que je veux souligner, c'est la mobilisation. C'est-à-dire, Françoise le disait au départ en disant, on se fixe 3 mois, on se fixe une enveloppe de temps, et du coup, c'est très concret. Il faut que, côté client, ça soit la même chose, que ça soit concret, que des équipes soient présentes et que le temps soit mis sur la table et soit anticipé, parce qu'il va y avoir du temps à y passer. Et donc côté Paris Fashion Shop, c'est absolument super, parce que effectivement il y a une équipe, tout le monde est sur le pont, est réactif, ça avance effectivement régulièrement, avec des hauts et des bas, parce que c'est le principe, il y a un bout de R&D, donc il y a un moment où on pourra en parler après si vous voulez, mais on n'allait pas dans le... On a quand même refait une orientation au bout du premier mois, parce que en fait, ce que l'on pensait au départ n'était pas forcément ce vers quoi on allait arriver à la fin. Mais c'est le jeu quelque part. Mais quand les équipes sont là et disponibles avec des réunions régulières, ça se passe très bien. Enfin, nous, c'est notre expérience. Peut-être que ça peut se passer autrement ailleurs, mais ça, c'est l'expérience qu'on veut partager. Donc, une vraie mobilisation et une vraie compétence, dans le sens où on a toujours eu autour de la table, nous, les personnes qui maîtrisaient leur domaine. Donc, que ce soit le domaine des produits, le domaine des clients, le domaine du marketing, le domaine de la donnée, dans le sens où elle est où la data, qu'est-ce qu'on peut vous transmettre, ainsi de suite. Tout s'est fait de manière extrêmement fluide et réactive. Donc, en fait, quand on supprime ces frottements que l'on rencontre parfois dans quelque chose qui n'est pas contraint, et bien effectivement, on gagne en efficacité. Donc, c'est sûrement une des méthodes et une des recettes du succès de Paris Fashion Shop, d'ailleurs, qui effectivement décide rapidement. On va à l'essentiel. On va là où on a dit qu'on allait, on écoute. On réfléchit, mais on décide vite et on y va. Voilà. En fait, j'essaye de le résumer un peu comme ça.
Donc ça, c'est un élément important. Le deuxième élément, effectivement, dans ce cadre, c'est effectivement, alors nous, on est accompagnés par Anne-Sophie de l'IMT Terra Lab. C'est le côté très agréable d'avoir aussi, on va dire, en pilote, quelqu'un qui sait de quoi on parle, qui apporte des retours d'expérience sur soit d'autres paquias, soit de la gestion de données tout court ou des projets de données tout court, et donc alimente réellement les réflexions et les échanges. Donc effectivement, on se retrouve dans des logiques de comparables, dans est-ce que c'est normal, est-ce qu'on va dans le bon sens, et ainsi de suite. Et ça, c'est le côté plus à qui on s'adresse et comment on est accompagné, qu'évoquait Françoise, qui est vraiment bien, je trouve, dans ce dispositif de paquia. C'est-à-dire qu'en plus, c'est un tiers qui fait foi, qui n'est pas partie prenante. Alors si, quand même, hein, parce que c'est ce tiers quand même qui a fait en sorte que 50% est financé. Donc c'est plus que partie prenante, mais dans la réalité, est juste là pour faire en sorte que ça marche. Donc il n'y a pas de complaisance. Et ça c'est quand même très bien. Et c'est, je pense, nécessaire, parce qu'on est quand même dans un domaine où on peut vite se retrouver avec une sorte de clivage important entre les gens qui œuvrent et qui travaillent dans la donnée et la PME qui travaille dans son expertise métier. Et les recoupements, le fait qu'à un moment on se comprenne ou qu'on arrive à réconcilier tout ça n'est pas forcément toujours évident. Ce n'est pas un cas réel qu'on a eu là dans le cas de Paris Fashion Shop, mais c'est pour l'évoquer. Donc voilà, donc ce rythme est vraiment très très bien et on le trouve très, très efficace. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et donc, dernier point, enfin, côté Kernix, nous on trouve ça vraiment aussi intéressant, et notamment on a le cas dans le cas de PFS, c'est que nous on vient avec notre... Alors, on va dire en toute humilité, mais avec notre compétence scientifique, hein, on a une équipe de data scientists, on a une expérience, on a certaines expertises, mais on essaye de ne pas venir avec des dogmes. Donc, on commence quand même réellement d'abord à avoir une écoute pour bien comprendre l'environnement dans lequel on va évoluer et pour aller ensemble au résultat, sachant que le résultat, là, et c'est un point fort aussi, je trouve, du paquia, c'est que le résultat, à la fin, il appartient. Enfin, nous, dans notre cas, il appartient au client. Donc, c'est une vraie marche franchie. Il est passé à quelque chose. C'est pas une intégration d'un système pour 5 ans. Il y a de la pédagogie. Il franchit un cap et en même temps, il acquiert quelque chose. Il y a un actif. Donc, ça peut être le début de toute une série, mais c'est vraiment très intéressant et très enrichissant. Alors, voilà d'un point de vue macro. Après, on peut rentrer dans des détails, on peut répondre à des questions. Je ne suis pas le data scientist en chef de la réalisation PFS, donc soyez raisonnable sur les questions que vous allez nous poser en termes de précision. Mais je pense qu'avec Jackie, on serait ravis de répondre à tout ce que vous vous posez. Et peut-être même, Jackie, enfin, tu veux compléter par rapport à ce que j'ai dit sur notre collaboration, la manière dont on parle, ou tu as des questions peut-être. Oh, sa question, je sais, c'est pourquoi 3 mois, pourquoi pas 1 mois? Oui, ça, on est d'accord. C'est ça, on est d'accord. Mais ça, il nous la pose encore. Les choses prennent du temps. Donc, voilà, j'ai compris ceci et maintenant, je me dis, OK, il faut bien 3 mois. Beaucoup de gens nous disent, mais c'est impossible de faire un projet en 3 mois. Et tout le monde pense toujours qu'en fait, l'IA, c'est très compliqué, qu'il faut bien plus que 3 mois pour faire. Et en fait, l'un des challenges, et Fabrice, merci de ce que tu as raconté, qui est vraiment en ligne avec ce qu'on essaye de faire. Nous pensons que l'IA, c'est pour tout le monde. Et franchement, nous avons parlé avec Jackie, mais on parle en fait peut-être, là maintenant, on doit en être à 60 ou 70 PME avec qui on parle. Toutes les PME avec qui on parle ont toutes des besoins qui peuvent être satisfaits avec l'IA. Pas toujours ce qu'ils imaginent d'ailleurs. Hein. Quelquefois, non, c'est pas ce qu'ils voulaient, c'est plutôt celui-là. Mais celui-là, oui, il est intéressant, oui, il est utile, on peut y aller. Donc, toutes les PME ont des problèmes qui peuvent être résolus avec l'IA, d'une part. Et d'autre part, on peut trouver beaucoup de problèmes qui peuvent être résolus en 3 mois. À condition, comme Fabrice, tu l'as très bien expliqué, à condition qu'il y ait l'implication de la PME. Et Jackie, de ce point de vue-là, veut aller
beaucoup plus vite que la musique, ce qui est très bien. Il faut aller vite, il faut vouloir, et d'avoir un réalisateur qui le souhaite également. Alors peut-être une précision que je n'ai pas donnée, que j'aurais dû donner, Paquillas, ça a presque un an, on va finir bientôt la première année, donc vous faites partie de notre première génération, quelque part. Il y a ensuite une deuxième année, puis une troisième année, normalement, dans laquelle on accompagnera 60, puis 100 PME. Donc, il y a encore beaucoup de place. Quand on sait que dans la région Île-de-France, il y a 6000 à peu près PME, on est encore très loin du compte. Mais voilà, c'est ça le programme pour la suite. Donc, je ne sais pas, Valentin, s'il y a des questions. Alors, je regarde pour l'instant, je ne vois rien. Jacques qui lève la main. J'ai une question pour Françoise. Avant que la version 1 se termine, oui. Est-ce que ceux qui ont utilisé le pack une fois, le pack IA une fois, ont le droit de solliciter une deuxième fois le pack IA ou pas? On est limité dans cette sollicitation d'accompagnement Paquilla. On n'est pas, théoriquement non, j'ai envie de dire. Théoriquement non, on ne peut pas faire des Paquilla. Si tu penses que tu vas pouvoir finir celui-là et en enclencher un autre, je suis désolée, mais ça n'est pas possible. On voudra voir, et c'est ça qui est important, on voudra voir une mise en production, on voudra voir un nouveau plan d'action, peut-être sur des sujets un peu différents, et là on peut recoser, tu sais bien, Jackie, que je suis toujours prête à causer, il n'y a aucun problème, mais pas tant qu'on n'a pas vu le projet vraiment atterrir et apporter vraiment de la valeur, ce qui doit être aussi normalement ton intérêt, évidemment. On prend nos agendas à trois avec Fabrice et on se donne juillet. Le mois d'avril. Le 14 juillet va bien, non pas en avril, non, le 14 juillet. Non, c'est trop loin, juillet, Françoise. Pour Jackie, c'est trop loin, Françoise. On aura déjà les premiers résultats. Non, mais ce que je peux dire par rapport à, juste dans le contexte, par rapport justement à Jackie, alors là pour le coup, ça fait écho, Françoise, à ce que vous disiez quand même tout à l'heure, c'est qu'en fait, donc Jackie, il n'a pas plusieurs métiers, mais en fait, on peut vraiment, dans son activité, Faire y a des milliards de trucs à faire avec Jackie. Exactement. Et quand je l'ai rencontré la première fois et qu'il m'a raconté les données qu'il avait, j'ai dit mais on s'aime là, parce que évidemment toutes ces données, il y a des milliards de choses à faire. Voilà. J'en suis sûre. Ça c'est. Donc peut-être qu'il y aura une deuxième étape, une V2 qui permettra d'aller plus loin, puisque moi là j'ai bien compris, le Paquilla c'est de mettre le pied à l'étrier des entreprises, voilà, de se dire lancez-vous, allez-y, découvrez, et il y a des choses à faire. Je vois que Céline avait levé la main. Céline, je te laisse la parole. Oui, parce que c'est moins une question plus qu'aller dans le sens de François sur la démarche d'accompagnement. En fait, en effet, beaucoup de gens se disent il faut que je revoie toute ma structure de données, que j'ai un data lake complet, etc., qui peut prendre en effet quelques mois, mais c'est la mauvaise façon d'aborder ces initiatives, parce qu'il faut montrer dans l'entreprise un quick win et se dire je vais prendre un use case, je vais le développer, ça va me prendre quelques semaines, et ce succès-là va faire plein de petits. Et c'est là où tu as raison, c'est que justement, on a une culture française, en tout cas, qui traîne encore des projets tunnels d'un an, un an et demi, etc., qui ne permettent pas à chacun de voir l'impact et du coup de se donner, de se motiver pour la suite. Et je trouve que justement, cette initiative, elle est canon parce qu'elle concentre sur un temps défini une première étape, un premier succès et go, et ça embarque tout le reste de l'entreprise dedans. C'est pour ça que je trouve que c'est justement, franchement, j'avais pas regardé avant, c'est un super package pour donner envie et puis faire monter le pied à l'étrier. Comme tu dis, il y a énormément de PME qui ont énormément de use case, on le voit aujourd'hui de plus en plus. Ouais. Et on a des partenaires aussi qui font des choses en quelques semaines. Beaucoup de gens disent c'est impossible. Non, pas du tout, mais il faut pas voir trop gros. Voilà. On a un peu trop l'habitude à voir trop gros et se dire je vais changer toute ma boîte. C'est pas le but. La transformation, elle est en continu, comme tu le dis. Et chaque étape permet à chacun de justement d'être fier de soi et de pouvoir faire avancer l'entreprise un peu plus. Donc, chapeau. Je pense que c'est vraiment par itération. Ce qu'on voit sur les premiers projets qui ont terminé, hein, il n'y en a pas encore énormément, mais en tous les cas, tous les projets ou à peu près qu'on a aujourd'hui nous disent « je vais mettre de l'IA partout maintenant ». Et c'est ça le but.
c'est pas de réussir un premier projet, c'est d'en fait qu'après, on en met partout, Jackie peut en mettre partout et beaucoup de nos PME en fait même chose quoi. Donc c'est vraiment tout à fait ça l'idée. Et si je peux juste compléter sur le propos, cette notion, alors je sais pas si elle est française ou pas française de gros projets, mais en tous les cas, ce qui est vrai, c'est qu'elle est en fait, elle est pas que côté PME. Elle est aussi côté acteur. C'est-à-dire que honnêtement, il y a énormément d'acteurs de la data et de l'IA qui ne se positionnent pas forcément en « on peut faire quelque chose rapidement ». Et là, moi, j'en parle quelque part en connaissance de cause. C'est-à-dire que nous, on peut avoir parfois un certain frein ou une certaine crainte à dire « non, mais un moteur de reco en 3 mois, sur mesure, vous êtes fous ». On pourrait totalement être là-dedans. Donc, il y a aussi un effort côté réalisateur pour dire, en fait, quand on câble, qu'on fait bien les choses, qu'on se met tous dans la même dynamique et qu'on est raisonnable, ben, en fait, on peut délivrer. Alors nous, je pense que c'est notre partie digitale qui est venue challenger notre partie data pour dire, mais si, en fait, on peut faire des quick wins. Voilà. Merci. Je vois que François avait levé la main. Qui a levé la main? François, oui. François, alors rebonjour. Merci pour les présentations. Alors moi, j'ai une question qui reprend un petit peu tous les différents thèmes. Moi, je suis dans la région Grand Est, donc là, je vous appelle de Strasbourg, au milieu des vignes, là. Et, c'est d'actualité. C'est clair. Et oui. Il a fait un peu plus chaud récemment. Oui, tout à fait. C'est à quelques kilomètres de chez moi, effectivement, les pauvres VH. Et justement, je me posais la question, parce que moi, j'aide les PME de la région dans ce que j'appelle l'alignement stratégique, dans la valorisation de la donnée, etc. Et en même temps, je suis membre, donc adhérent au Syntec, et je co-anime un groupe de travail sur la région Grand Est autour de la promotion des usages de la donnée, de la transformation numérique, etc. Et en fait, je me pose la question, et là, j'ai découvert, merci pour les prêts, hein, c'était super intéressant, j'ai découvert l'initiative PACIA, Up France IA, Terra Lab, etc. Et je me pose la question de savoir, mais comment, quel attelage il faudrait dans une région comme la nôtre pour démarrer une initiative de ce type-là. J'ai bien compris, et la région Grand Est finance un certain nombre de choses, et j'avoue humblement que je ne sais pas trop où ça en est, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait l'équivalent chez nous, vous n'allez sûrement pas me répondre à ça, mais est-ce que Up France IA, par exemple, moi je serais capable de les solliciter pour aider à initier une démarche de ce type-là dans la région? Est-ce que c'est des choses envisageables? Oui, là vous parlez de la phase amont. Alors pour nous, le fait que la région Île-de-France finance la moitié des projets, c'est vraiment fondamental. Je pense que pour démarrer, et beaucoup de PME nous l'ont dit, s'il n'y avait pas eu un financement, j'y serais pas allée. Ah, je suis d'accord. Le montage de ce dossier, il a pris beaucoup de temps, beaucoup de réunions avec la région. On a eu des réunions de travail vraiment où ils nous ont dit ce qu'ils voulaient faire. Moi, j'ai dit ça non. Je ne ferai pas comme ça, non, non, non. J'ai beaucoup dit non parce que je suis un peu têtue. Et en fait, on a vraiment élaboré ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est le résultat de séances de travail où on a progressivement construit quelque chose dont je pensais personnellement que ça pourrait voler, comme on dit, c'est-à-dire que ça pourrait fonctionner. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'endroits où on peut se planter, il y a encore beaucoup de points qui marchent mal. On peut le dire, hein, dans PACIA. Alors, il se trouve que je suis dans un organisme international qui s'appelle le Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle. Et en ce moment, on discute, il y a des initiatives de ce genre-là en Allemagne, des initiatives comme ça à Singapour. Et tous ces gens-là, en fait, on est en train d'échanger des bonnes pratiques. Il y a un peu, en fait, les mêmes problèmes partout. Le problème, c'est... si je suis dans la peau de Fabrice, bah, c'est plus facile d'aller voir un grand groupe. CAC 40, ils sont 40, ça va vite. Les PME, il y en a des milliers, je ne peux pas aller les faire l'une par une. Donc la difficulté, c'est comment s'adresser aux PME, comment les contacter tout simplement. Une fois qu'on les a au téléphone, je n'ai encore jamais vu une PME, si peut-être une,
une PME qui n'ait pas de projet IA possible. Donc, la difficulté, elle est là. Il faut travailler avec la région. On pourra volontiers venir faire une présentation à la région si vous le souhaitez. Oui, ça m'intéresse. Il faut monter ça vraiment. Moi, j'ai plein de défauts, mais j'ai une qualité, je crois, je suis extrêmement pragmatique. C'est-à-dire, il faut que les choses soient bien posées, bien claires, que tout soit sur la table pour qu'ensuite, on n'ait plus de surprises. Parce que je pense qu'on ne peut pas se permettre une mauvaise surprise avec une PME. Et surtout sur un délai aussi court. Hein. Enfin, voilà. Fabrice, tout à l'heure, a touché du doigt une question que moi je voulais vous poser et qui rejoint celle de François, c'est de dire qu'en termes d'ingénierie, je pense qu'il y a eu un gros travail en amont, parce que typiquement, oui. Fabrice tout à l'heure disait que le résultat appartenait au client, donc je pense que tous les aspects de propriété intellectuelle, etc., sont gérés bien en amont, et que donc du coup, une fois qu'on signe le package, d'où le nom Paquia peut-être d'ailleurs, et ficelé. François, je me permettrais peut-être aussi de compléter la réponse de Françoise. On a Cindy Acolas qui est présente, qui représente Grand Innov Plus. Elle pourra peut-être nous dire des choses, parce que je sais que dans le cadre de la région Grand Est, il y a un certain nombre de choses également qui sont faites au niveau de l'IA. Donc, je laisserai peut-être Cindy répondre tout à l'heure. Avant, je vais passer la parole à notre présidente de comité, Katia Liené, qui avait également une question, qui avait levé la main. Donc, Katia, je te laisse la parole. Oui, merci Valentin, merci à tous les participants, Françoise, pour la présentation, et on était ravis de pouvoir vous accueillir pour présenter cette initiative vraiment excellente, puisque beaucoup d'adhérents, en tout cas tous les adhérents en Syntec Numérique, ont des stratégies et des programmes spécifiques dédiés aux PME. Et j'avais une question un peu dans ce sens-là pour les aider, en tout cas les adhérents de Syntec, de se projeter de comment ils peuvent travailler avec vous s'ils ont des propositions de valeur ou des clients qui sont des PME en région parisienne. Comment concrètement ils peuvent se dire, tiens, j'ai quelque chose de potentiel qui peut être éligible à ce programme, comment je m'approche, est-ce que je dois venir avec mon client déjà identifié une PME avec une problématique IA qui pourrait rentrer dans le cadre de ce projet. Merci Katia. La question, en fait, la question que tu poses, c'est la question du sourcing, c'est-à-dire comment les PME rentrent en contact avec le PAC-IA. Et donc, comment nos adhérents qui sont des faiseurs de DIA. Ouais. Donc la première façon, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est un webinar. Donc à l'issue de ce webinar, vous nous contactez et après on enclenche. Il y a également des contacts directs, c'est-à-dire vos membres, s'ils ont envie, s'ils ont une société avec laquelle ils peuvent faire un projet, eh bien tout simplement, ils s'inscrivent sur notre site. Hein, dans ma présentation, il y avait l'adresse du site. L'adresse du site, elle est très compliquée, paquia.fr, c'est assez simple. Vous allez là, vous déposez votre demande et ensuite, on fait ce qu'on appelle, nous, un entretien de cadrage. C'est-à-dire qu'au téléphone, on va se prendre une heure à peu près pour discuter si oui ou non il y a potentialité d'un projet. Donc on va vérifier l'éligibilité, parce que quelquefois on a des surprises. Par exemple, une société qui est en Île-de-France, mais qui est détenue à plus de 50% par une société en Chine, comme ça nous est arrivé, bah non, c'est pas possible. Donc il y a un certain nombre de règles comme ça. Donc il y a un entretien de cadrage. L'entretien de cadrage, il a pour but de trouver un projet potentiel, c'est ce que j'avais fait avec Jackie en juillet, où dans l'enthousiasme, on avait trouvé plein de possibilités. Et ensuite, on va matcher, entre guillemets, la PME avec un réalisateur. Alors, si c'est un réalisateur qui vient avec sa PME, bah, le match, il est déjà fait, donc il a déjà fait la moitié du travail. Donc vraiment, on est dans une mécanique assez simple. Moi, ce que j'ai voulu, c'est que ce soit très simple et très fluide. Un entretien de cadrage d'une heure au téléphone. Derrière ça, on fait un compte-rendu et si tout le monde est d'accord, eh bien la phase de préqualification s'enclenche après qu'on ait vérifié toutes les conditions d'éligibilité, puisqu'il y a des conditions quand même assez fortes. Si ce sont des sociétés qui sont dans l'Est, bah, ça ne marchera pas, je suis désolée. La région Île-de-France ne finance que les PME et réalisateurs qui sont en Île-de-France. Et pour répondre au côté réalisateur, effectivement, nous, en tant que réalisateur, on s'était intéressé au dispositif bien en amont, en fait. Enfin, ça fait un certain temps qu'on s'était intéressé. On en était effectivement les promoteurs, étant convaincus
que ça pouvait servir et que c'était une réponse. Et donc, bah, dans le cadre de, si on prend, dans le cadre de Jackie et de Paris Fashion Shop, en fait, il y a eu une étincelle liée à une conférence comme celle-ci, Croissance Plus, où Jackie a tout de suite tilté, alors qu'on se connaissait d'avant hein, avec Jackie, et que du coup, en intervenant, il a d'abord travaillé avec Françoise, puis après, on a convenu de travailler ensemble. Il y a une autre PME de Croissance Plus, d'ailleurs, qui est dans cette, on va dire, dans cette dynamique. Et en amont de cela, il y a une autre startup dont je vous parlais tout à l'heure sur l'algorithmie là, que nous on a apporté. On savait globalement comment fonctionnait le pack IA, on leur en a parlé, ils ont trouvé ça intéressant et donc à partir de là on a embrayé avec Françoise. Et je donne juste un mot Françoise, et en plus Françoise et ses équipes ont quand même œuvré à quelque chose qui est super, c'est qu'ils ont fait modifier un tout petit peu les contraintes pour être éligible au pack IA, puisqu'en fait la région exigeait quand même un sujet financement qui était un coup près violent. Et, oui, tout à fait Fabrice. Donc en gros, on a essayé de poser dès le début plein de clauses pour que tout soit très simple, donc tous les contrats sont standards, tout est complètement standard, et puis quand on voit qu'il y a des difficultés, bon, on se retourne vers la région qui est de bonne, comment dire, avec qui on a de bonnes relations, pour faire bouger des clauses qui gênent à la réalisation. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait des projets, le plus de projets possible, qui réussissent, hein, c'est vraiment le but. Donc ils nous aident beaucoup, on a leur support, et on essaye de faire, en fait, mon but dans la vie, il est très simple, de distribuer le plus d'argent possible. J'ai un objectif simple, j'ai un financement, je veux le distribuer autant que je peux. Donc, notre mot, c'est le pragmatisme, hein, on aura compris. Oui, vraiment. Et l'efficience. Oui, il faut que ce soit efficace. Bah, c'est ça la difficulté, c'est qu'une mécanique comme ça, on dit en IA, votre algorithme, il ne scale pas. Bah, notre problème avec pack IA aussi, il faut que ça scale à beaucoup, beaucoup de PME. Quoi. Donc, depuis le début, avec la région, on dit, quand on va faire 100 projets par an, ça va être dur. Bah, oui, je crois que ça va être dur. Parce qu'il faut quand même un process un petit peu industrialisé. Mais j'ai effectivement mes collègues de Singapour, ils ont le même problème et ils ont mis en place un certain nombre de choses. Mes collègues en Allemagne ont même mis en place des algorithmes IA pour aider ce matching dont je parlais. Donc voilà, on a dans le monde, tout le monde un petit peu a les mêmes problématiques et je suis un petit peu en contact avec différents. Mais donc tous ceux parmi vos membres qui ont des projets, c'est très simple, hein, mettez-vous sur le site, envoyez-nous un petit message et on vous rappelle 24 heures après, on a un call quoi. C'est très concret, merci. On a essayé de donner plein de... Je vais le faire, Françoise. De bonnes envies ce matin, de donner d'envie à nos différents adhérents. Valentin, peut-être. Ouais, moi j'avais une autre question, c'est peut-être un petit peu tôt d'ailleurs, mais bon, on ne sait jamais. Donc il y a un certain nombre de projets hein, qui ont été conduits, de ce que j'ai pu comprendre. Je pense que vous essayez d'avoir, comme vous l'avez bien expliqué, un retour d'expérience sur chacun d'eux. Est-ce que vous arrivez aussi à trouver ce que nous parfois on appelle un peu de fertilisation croisée, mais des bonnes pratiques, des choses qui seraient héritées de premiers projets qui ont été conduits et qui permettent soit d'orienter plus facilement vers un cas d'usage d'entreprise qui se dit bah, « tiens, moi je suis intéressé, mais je ne sais pas trop comment prendre le problème » ou des choses qui du coup auraient été développées et sont duplicables. Alors, pas à l'identique, puisque bien sûr, chaque cas d'entreprise est unique, mais voilà, est-ce qu'il y a des choses comme ça déjà depuis à peu près un an que l'initiative court, que vous avez déjà, sans forcément les formaliser, mais déjà pu identifier ou intuiter? Bah, Valentin, en fait, d'abord, je vais dire que la première chose que nous a appris cette première année, c'est à faire évoluer notre process de façon à ce qu'il soit plus efficace. Ça, c'est vraiment important. La deuxième chose, on a commencé à mettre sur pied quelque chose qui devrait être un book dans lequel, en fait, les différents projets seront décrits. Et notre idée, là, c'est... De montrer en fait à une PME qui s'interroge un certain nombre de cas d'usage.
Maintenant, je pense qu'à la taille du PACIA, ça ne va pas être suffisant, ça. Donc, je vous parlais de l'initiative partenariat mondial. Là, on va faire carrément un booklet avec des use cases qui vont être repris de tous les pays qui sont engagés dans des histoires comme ça. Donc, je pense que là, bon, sur PAC, on peut avoir une quinzaine, une vingtaine de cas. Si on prend les différents pays, c'est la force de la masse, hein, on doit pouvoir arriver à un bouclette peut-être par verticale, où on aurait cette fois-ci par verticale une vingtaine de cas. Donc, un bouclette avec une centaine de cas. Ça permet à une PME de feuilleter et de trouver de l'inspiration sur des choses possibles. Avec l'avantage sur notre book à nous par rapport au book international, c'est que notre book à nous, il va présenter aussi les réalisateurs. Donc quelque part, une PME qui s'interroge, elle regarde ce truc, elle voit des cas qui lui, par exemple, elle voit un cas de site B2B, on a un autre cas de site B2B d'ailleurs qui traite un sujet très différent de celui de Jackie, mais sur un site B2B, on va avoir un certain nombre de cas possibles, un certain nombre de réalisateurs possibles, et on pense qu'avec ça, ça va donner de l'inspiration à des PME et une idée sur la façon de se lancer. Alors moi, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Céline Bell tout à l'heure. Je pense en effet que il faut jamais commencer par un gros projet, jamais. C'est la recette pour se planter. Si jamais un gros projet, d'abord c'est long, et si par hasard il se plante, on est mort, on ne peut pas s'en remettre. Tandis qu'un petit projet, si on le lance, on peut le faire évoluer après vers des choses qui marchent mieux. Donc, je crois que c'est ça qu'on essaye de faire avec PACIA, c'est d'être très pratique et de s'embarquer sur des petites choses qui vont rapporter gros et vite. C'était mon motto toujours. Et la région m'avait dit au début, non, 3 mois, c'est pas possible. Moi, j'avais dit, si on fait plus, on est mort. Donc, voilà. Et Fabrice et Jackie ont bien expliqué comment ils ressentaient la chose. Moi, j'ai rajouté des contraintes pour faire que ça se fasse vite. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse, Françoise. Il nous reste encore quelques minutes. Je ne sais pas si d'autres ont des questions. Profitez-en, hein. Vous avez un beau panel d'intervenants. N'hésitez pas. Moi, j'ai noté pour ma part que on allait voir si cette initiative, donc portée par Francia, qui est l'opérateur, hein, à côté de la région, donc, qui est le financeur, si quelque part on ne pourrait pas lui faire faire des petits, si vous me passez l'expression, dans d'autres régions. Je pense qu'effectivement. Région Grand Est. Oui, je vais vous contacter, Françoise. Je vais vous envoyer un petit mail et puis. Volontiers. On a des contacts aussi en région Occitanie. Enfin, plus ça se développera et mieux ça vaudra. D'accord. C'est intéressant. Oui, pardon, Françoise. Ouais, je voulais juste dire, moi, ce que je retiens, excuse-moi, mais en fait, il y a un attelage là qui est évidemment le client et son cas d'usage, hein, et Jackie, par exemple. Hein. Il y a le client, le cas d'usage. Il y a le financeur, donc là, en l'occurrence, c'est la région Île-de-France. Il y a le réalisateur, c'était oui. Fabrice, en l'occurrence. Et puis, moi, j'appelle ça un fédérateur ou une fédératrice, c'est-à-dire vous, Françoise, qui coordonnez un peu l'ensemble. Est-ce que c'est ça l'attelage ou qu'est-ce qu'il faut encore en plus? On a mis beaucoup de temps à définir les rôles, très franchement. Oui, ouais, j'imagine. Oui, c'est vrai que moi, c'est assez simple. On a travaillé en amont et moi, j'ai dit finalement, c'est simple. Hein. Fabrice l'a bien dit d'ailleurs, le pilote, il est là pour être le tiers de confiance, pour le dire vite. Beaucoup de PME d'ailleurs m'ont dit, sans vous, on n'y serait pas allé parce qu'en fait, on est harcelé par des sociétés de conseil qui veulent nous vendre plein de choses. Exactement. Et avec vous, on se rend compte que ce n'est pas ça que vous voulez. Vous ne voulez pas nous vendre plein de choses. Vous voulez nous aider, entre guillemets. Donc, ce rôle de pilote, il est assez fondamental pour que toute la mécanique fonctionne bien. Donc, en général, c'est nous qui le faisons. Ça peut être Anne-Sophie aussi, comme l'a dit Fabrice. Ça, c'est important. Et puis après, il n'y a pas de doute. Hein, il faut le matching, il faut un couple. Oui, il faut quelqu'un qui a le besoin, quelqu'un qui fait, puisque celui qui a le besoin, il démarre, il ne sait pas faire. Et idéalement, la mission de celui qui réalise, c'est de faire, mais c'est aussi d'accompagner par la main la société pour qu'après, elle puisse faire éventuellement.
certains continuent à travailler ensemble ensuite. Ça arrive. Le couple est créé. Voilà. Le couple est créé, et alors c'est si on s'entend bien, bah on continue, sinon bah, je ne pense pas que ce soit un seul projet qu'on soit totalement indépendant, mais au moins on a monté une marche, comme a dit Fabrice, c'est très correct, c'est tout à fait ça. J'ai vu que Cindy avait levé la main, malheureusement elle s'est déconnectée, donc on reviendra, on y travaillera ensemble, hein, François, avec notre délégué régional Thierry Bonnefête. Bah, je travaille avec Thierry, effectivement. On pourra se parler, nous aussi, Valentin, la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Okay, avec grand plaisir. Je vous propose, si vous n'avez plus de questions, de conclure, puisqu'on est arrivé au terme de cette heure. Donc merci beaucoup encore Françoise, Jackie et Fabrice pour vos éclairages et vos témoignages qui sont précieux et qui donnent des idées, on le voit. Donc si ça peut faire des petits dans d'autres régions, on en serait ravis. J'en profite juste pour faire un peu de retape interne, hein, vous m'excuserez, mais voilà, vous savez que ces rendez-vous des petits déjeuners de l'IA sont mensuels. Donc chaque deuxième vendredi du mois, on vous donne rendez-vous à 9h pour ces échanges. Je vous ai mis ici le calendrier 2021. Alors vous voyez que bah forcément, août, on fera rien. Mai non plus, puisqu'on tombe pile poil en fait sur le week-end de l'Ascension. Donc on va éviter, puisqu'on se doute que la plupart d'entre nous essaieront peut-être d'aller prendre un petit peu l'air. Depuis un an, c'est quelque chose qui devient vital. Donc voilà, il n'y aura pas de session en mai. Par contre, avril, juin, juillet, puis le reste de l'année, vous voyez le programme qui a été proposé. Donc on essaye de mixer à chaque fois autour de l'IA, soit des initiatives un peu institutionnelles, la charte éthique ou le label, on pourra y revenir. Et puis aussi, soit des mix entre plusieurs technologies, IA et blockchain, IA et IoT, ou des cas d'usage dans des secteurs d'activité particuliers. Au mois de juin, vous aurez un cas d'usage dans la finance, et puis au mois de septembre, un autre sur l'agroalimentaire. Bien sûr, toutes ces informations sont accessibles sur la rubrique événements du site de syntechnumérique.fr, donc je vous invite à vous y rendre régulièrement pour pouvoir vous inscrire à ces petits déjeuners, puis découvrir les autres choses qu'on peut vous proposer. Moi-même, je reste à votre entière disposition. Si vous avez des questions, si vous avez des propositions à nous faire, encore une fois, on est ouvert. Encore un grand merci à nos trois intervenants. Vous retrouverez ce webinaire accessible en replay sur notre chaîne YouTube. Vous aurez le lien de toute façon dès que la séance sera terminée. Un grand merci encore Françoise, un grand merci Jackie, un grand merci Fabrice. Et puis donc je vous donne rendez-vous le mois prochain, même endroit, même heure, sur l'éthique dans l'IA, puisque c'est un autre sujet qu'on est en train de travailler et qui va commencer à se matérialiser. Donc rendez-vous au mois d'avril. Merci à tous et bonne fin de journée.